Je voudrais vous dire que je suis très content des résultats qu'on a obtenus avec le programme Savoir Maigrir, mais je crois que ce n'est pas bien que je vous le dise moi. Je pense que ce qui est mieux, c'est de vous montrer des gens qui l'ont suivi et leurs témoignages qui sont totalement authentiques. Écoutez. Alors, je suis Marie-Laure, j'habite à Toulouse. J'ai 41 ans et je suis ATSEM en fait, je travaille en école maternelle. J'ai eu un accident de voiture et donc j'ai eu un gros traitement qui m'a fait grossir, surtout que je bougeais pas mal avant. Donc ben, j'ai arrêté tout et, parce que voilà, à cause des douleurs. Et donc du coup ben, j'ai pris des kilos. Je ne me reconnaissais plus. Voilà. Puis en plus, changer de taille mais pas dans le bon sens, c'était pas bon. Plus la quarantaine aussi qui arrivait, qui a joué aussi un rôle. Voilà. Je me suis dit non, j'ai pas envie de. Voilà. J'ai commencé à me laisser aller. Alors le fait de perdre ces 10 kilos, ben, je me sentais dans mon corps. J'ai changé de taille, mais dans l'autre sens, donc voilà, donc je me sens mieux. Je suis mieux aussi, voilà, physiquement, donc je fais du stretching, du pilates, des choses douces, mais du coup qui aident pas mal. Je me suis acheté un podomètre. J'essaie de faire minimum mes 5000 pas par jour, ce qui est assez simple à réaliser. Et puis voilà, ben, je me sens mieux. Hein. Eh bien, j'en pense que je préfère la fille de droite. Sur la photo de droite. Voilà. Que je me reconnais moins sur la photo de gauche et que, ouais, c'était pas moi en fait. Voilà. Que je suis beaucoup mieux, plus en forme, mieux, ça se voit. Et pourtant, j'étais en vacances sur la photo de gauche. C'est un rééquilibrage alimentaire et c'est vrai que c'est très facile à suivre. Pourtant, moi, j'aime bien manger. Et justement, les quantités ne sont pas strictes. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai pu ne pas avoir faim, et continuer facilement le programme. Alors, ben, je me trouve beaucoup mieux. Puis je me dis, ben voilà, la quarantaine, finalement, elle me va bien. Je suis mieux qu'avant, que mon visage a changé aussi. Voilà, qui s'est affiné et que voilà, j'apprécie mieux mon image. Ben c'est appréciable d'avoir le commentaire au fur et à mesure, tous les jours, de la diététicienne, d'autant plus qu'en stabilisation, j'aurais vite tendance à moins respecter les proportions, puisque ben, les féculents, on peut en rajouter un peu plus, c'est tentant. Donc du coup, bon, hop, du coup, on nous recadre vite, attention quand même, ou bien rajouter son laitage, ou etc. Je suis accro au webinaire. Alors le lundi donc je retrouve Jean-Michel Cohen à travers mon écran d'ordinateur. Donc pareil, on peut poser sa question ou écouter les questions des autres, ça fait sous forme de chat ou pas, selon. C'est intéressant. Et le jeudi, j'ai plaisir à retrouver Lucie et Isabelle, donc les diététiciennes, et qui voilà, qui sont tout à fait charmantes et puis qui répondent aux questions. Voilà, qui défile, donc très bien, très bien. Alors, je dirais aux personnes qui hésitent encore sur le programme qu'il ne faut pas du tout hésiter, se lancer à corps perdu, car selon les profils, nous trouvons toujours un programme qui correspond, sans avoir la faim qui nous tiraille, et c'est important. Voilà, donc, et c'est que du bénéfice à la sortie. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez vous aussi des conseils personnalisés, alors vous pouvez faire un bilan minceur gratuit ici. À très bientôt.